traverser, divertir avec Horizon Musique. Aujourd'hui, vous allez entendre des chansons rigolotes. Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil, mais avant tout, nous allons accueillir un artiste que vous connaissez tous sur cette radio pour une petite interview. Vous allez entendre sa voix, une voix pleine de soleil. Je vais le prendre tout de suite en ligne. Allô, Sévi ? Allô, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour, Sévi. Ça va ? Ça va très bien, merci, et vous ? Ça va, ça va. Dis-moi, on fait cette petite interview aujourd'hui parce que tu as une grande nouvelle à annoncer aux auditeurs. Ouais, c'est un scoop, et c'est un scoop pour Top Radio de Folie. C'est la première fois que je suis en interview chez vous, mais c'est aussi la première fois que je suis en interview. Et là, le scoop que j'annonce en exclusivité sur votre radio, c'est la sortie d'un prochain single qui arrive bientôt, un prochain titre. Et franchement, je peux pas dire le titre parce que bon, j'essaie de garder le secret jusqu'à la fin. Mais franchement, je suis en studio et ça va être du lourd, ça va donner. Les gens vont se régaler. Et c'est parti pour un tour avec un nouveau clip, avec beaucoup de projets dans la tête. Et beaucoup de gens qui me suivent, donc je suis super content. Ah, c'est cool. Et la date de la sortie est prévue pour ? Alors, j'ai pas fixé de date. Il va sortir quand il sera prêt, avec un nouveau clip, avec beaucoup de promos. Et de toute façon, je tiens courant les fans sur les réseaux sociaux et de partout. Ça devrait être sous peu. Et c'est vraiment un titre vraiment spécial. C'est quelque chose qui va rendre heureux les gens, qui va les booster, qui va leur donner beaucoup de joie, de bonheur. Et moi, je continue sur ma lancée, comme tout le temps, avec des chansons qui essayent de donner du bonheur aux gens, et ça marche. Donc le prochain titre, gardez les antennes, ça va arriver bientôt. Ah. Et ce titre sera-t-il dans ton concept Gypsy, ou un nouveau genre ? C'est pas un nouveau genre, mais parce que moi, je continue dans ma lancée avec le style que j'ai inventé, qui est propre à moi, qui est unique. Je ressemble pas à Kenji, je ressemble à personne. Bien sûr que j'ai appris la guitare gitane avec les Gypsy Kings, mais j'ai fait mon style propre à moi. C'est-à-dire, bon, c'est de la guitare d'ici avec des guitares gitanes, mais aussi des rythmes électro, très pop. Donc je continue cette lancée, mais sur ce titre qui arrive, il y a une petite surprise dessus. Je peux pas dire laquelle, mais ça va être génial. Bon, moi je la sais, mais je dirai rien non plus. Ouais, toi tu le sais, je suppose que ton épouse aussi, Anne, que je lui fais un petit coucou, le sait aussi. Peu de gens le savent, mais les gens qui le savent, savent que ça va être une sortie formidable. Et merci de me soutenir, merci à tous ceux qui m'écoutent. Non mais c'est normal. J'ai une autre question, prépares-tu un album suivi d'une tournée ? Alors, j'avais dit dans des autres interviews qu'un album pouvait arriver. Et je pense que ça va se faire. Je pense que il me reste encore un single à sortir et puis peut-être un autre après. Mais courant, peut-être fin de l'été, peut-être 2018, il y aura très certainement un album qui sera en magasin en France, en Belgique et dans d'autres endroits. Et puis une tournée, ben c'est en négociation. Il y a beaucoup de gens qui me font des propositions pour des tournées en France, donc oui, ça va se faire, je sais pas quand, on est en négociation, mais ça va se faire. Et puis j'aimerais beaucoup venir à Bruxelles, en Belgique, pour faire des concerts. Donc oui, ça va se faire. Surtout qu'à Bruxelles, il y a une super salle, c'est le Forest National, elle est super grande, là tu pourrais la remplir peut-être. Ouais. Je sais pas si je pourrais la remplir, mais en tout cas, faire beaucoup de promos et l'annoncer, de toute façon, il faut le faire. Je pense qu'un vrai artiste, ce qu'il a envie, c'est d'être en contact avec ses fans et surtout de les voir en vrai. Et surtout, je pense que c'est très important pour un vrai artiste, quoi. Le contact avec les gens. Oui. Je pense aussi. J'ai une question d'une auditrice qui savait que j'allais te recevoir aujourd'hui. Elle demande si le bonheur que tu procures en chanson est le reflet de ta personnalité dans la vie. Eh ben écoutez, je sais pas, moi ce que je sais c'est que je suis une personne très très optimiste, j'ai beaucoup de bonheur en moi, à l'intérieur de moi beaucoup de joie, je suis quelqu'un qui va de l'avant, qui essaye d'être une bonne personne tous les jours, d'en faire une bonne action,
j'ai jamais eu une pensée négative. Je suis quelqu'un qui va de l'avant, je le répète, et quelqu'un surtout qui croit à l'avenir, qui croit au futur, et qui croit que bon, ben, la musique, moi je crois que c'est la plus belle chose du monde, que c'est la seule chose où il n'y a pas de langage, pas de frontières, pas de limites. Je crois que le monde sans musique serait fatal, et je crois que ben, la musique nous aide à traverser un peu les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Donc je crois qu'il est temps plus que jamais de faire vivre la musique au maximum, de faire vivre les arts en général au maximum, et surtout de pas proférer des idées négatives, regrouper les gens et continuer à donner du bonheur gratuitement. C'est sympa ça, Sylvie. Dans ta voix, on entend un accent. Moi, je sais que tu viens de Arles. Et... Ouais, je suis d'Arles, la capitale de la Camargue, qui est un magnifique pays, magnifique ville. La Camargue, c'est magnifique avec un ciel particulier, la couleur du ciel, des monuments qui sont sublimes, des gens aussi qui sont sublimes. Et moi, je vis en Allemagne. Donc je suis un peu au centre de l'Europe, ça me permet d'aller en Suisse facilement, d'aller partout, et mon accent je le perdrai jamais parce que ça fait partie de mon identité, et je me rappelle souvent d'où je viens, et c'est ça qui me permet de savoir où je vais. Exact. Mais en Allemagne, tu as choisi une très belle région aussi c'est que tu vis. Je la connais bien, moi. Ouais, c'est une région qui s'appelle la Forêt Noire, et c'est magnifique parce que là aussi, il y a une couleur du ciel particulière, il y a beaucoup de verdure, beaucoup de nature, et moi je suis quelqu'un qui adore être dans la nature et profiter d'un calme précieux qui m'aide à m'inspirer, et bien sûr, les gens sont sympathiques comme de partout, c'est une région qui est bénéfique pour moi, pour ma musique, pour mon inspiration, pour mon bien-être, et c'est ça qui est formidable, c'est que malgré que je sois ici, mais si je vais à Paris, si je vais au Canada, si je vais en Belgique, si je vais partout, je me sens bien parce que je vais dans les endroits que j'aime. La seule différence entre la Camargue et la Forêt Noire, c'est qu'en hiver, ça caille en Forêt Noire. Alors oui, il fait très froid, mais ça fait du bien aussi d'avoir le contact avec la nature et de se rendre compte que les saisons existent, qu'elles n'ont pas complètement disparu avec le réchauffement de la planète. Le froid, c'est un signe de saison, c'est la saison de l'hiver, et c'est plutôt une bonne chose. C'est pas mauvais quand on a, bon, mais quand on a des bons radiateurs, quand on a du feu de bois, c'est pas mauvais en fait. C'est même très très joli, la neige, et se rendre compte ben, que le temps passe au fil des saisons, ça permet de garder un fil sur le temps qui passe et justement de faire beaucoup de choses dans sa vie pour pas le laisser filer le temps, parce que le temps qui est filé, qui est parti, on ne le retrouvera pas. Exact. Voilà. J'ai plus de questions en tête, là, Sylvie. Ouais. Nous attendons ton futur projet. Et dès qu'il arrive, moi, je suis prêt à le passer à la radio. Et tu sais bien que je pourrais faire une belle promo en le passant toutes les heures, pendant une bien journée sûr. Entière. Et après, en playlist... toute la journée, quoi. Bien sûr, pas de souci. Il y a plus de 60 radios qui me diffusent. Là, je commence à avoir des passages télé avec l'équipe à la télé, tout ça. La presse écrite aussi parle de moi, donc on peut dire que je suis dans le bon chemin. Et j'ai la chance d'avoir des personnes comme toi, Michel, qui sont formidables. Merci. Et qui me suivent depuis le début. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à toi, Michel, que je Merci. Peux travailler dans des bonnes conditions, que je peux continuer à donner de la joie à mes fans, à faire découvrir à ceux qui sont pas fans, justement. Mmh. Et c'est grâce à vous, et à toi, Michel, particulièrement, que les artistes peuvent être fiers d'avoir des médias comme le tien, qui sont petits en taille, mais grands en énergie, et en âme, et en esprit. Et c'est ça que j'aime. Ce sont des médias qui profèrent la bonne parole, si je peux dire, qui diffusent ce qu'ils aiment, comme toi, et c'est, je trouve que c'est super, et je te soutiens à 100% aussi. Mais je te remercie, Sylvie. Alors, on va se quitter, et
Je vais passer ton dernier succès que tu as sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a un ou deux mois. Believe Me, que vous pouvez toujours écouter en playlist. Et il est bien placé. Il est toujours au top 10 dans le top 15 du mardi soir. Et après, nous continuerons sur les chansons.